Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de si demain il y a un effondrement et que ça soit sur une période de 6 à 8 mois, un 2 mois, 1 an, 2 ans, et que au bout d'un moment le bordel se casse et tout ce qui se passe se calme et revient un mois excitant au final de tout casser et tout d'avoir une telle barbarie en soi. Bon, est-ce que l'armée va reprendre le chemin, puisque l'armée en aucun cas ne se mêlera d'un conflit qui pourrait, par exemple, comme dans le roman de Laurent Bertone, toute la France s'effondre. Et où il est dit, bien sûr, que au bout d'un moment, l'armée ne pourra plus, pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce que stratégiquement, laisser les gens sont tués et peut-être que l'hiver faisant, c'est aussi une bonne solution de pouvoir peut-être rien sauver au final. Donc, le sauveur, le gars qui ramènera l'armée, il fera croire que c'est lui le saint sauveur et sauvera toutes ces personnes. Il sera bien entendu prier, demander, et bon, oui, il aura la main sur l'emprise des gens. Ils vont dire c'est lui qui nous a sauvés, oui, il est bon, il est bien, il a bien fait les choses. Seulement, malheureusement, on ne savait pas ce qu'il a fait derrière. Dans le sens où il a laissé la moitié de la population crever en attendant de réagir, puisque le meilleur moment, c'est de réagir au moment le plus propice, d'enlever peut-être des groupes qui arrivent à se défendre. Et si ces groupes-là arrivent à faire quelque chose, arrivent à sauver ou à diminuer le bordel, et bien peut-être que le monsieur en haut, il veut pas que ça arrive. Oui, il va aussi fuir ces gars-là pour pouvoir être le meilleur de son sauveur. Un sauveur qui pourrait être bienfaisant, entre guillemets, serait doté d'un pouvoir immense, celle de réendormir le peuple après une grande catastrophe et après un bordel monstre. Or, il a duré un certain temps. Il faut bien faire gaffe au fait de devoir peut-être d'être repêché par un prêcheur de bonne, de bienfaisance, on va dire. Il va falloir faire très attention au moment où ça perd et au moment où ça peut revenir, si ça peut revenir. Puisque, bien dans le livre de Laurent Bertone, c'est une fiction, mais il y a quand même des faits qui pourraient largement très vrais. Et je pense que ça c'est pas. Il me dit lui-même, il ne s'est pas inspiré de. Enfin voilà, il y a eu des choses qui m'ont inspiré, il y a des choses factuelles. Donc de dire que c'est juste un livre, juste une fiction, c'est facile à dire. Mais regardez la vérité en face, c'est autre chose. Et donc, pour ça, il va falloir faire très attention le jour où ça peut revenir à la normale, si ça peut revenir à la normale. Il va falloir réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on peut éviter de refaire comme erreur si jamais il y avait un effondrement et un retour à la normale, pour que ça ne soit pas pire qu'avant. Parce que aussi dans la tête des gens, d'avoir un possible effondrement, c'est catastrophique. Mais de retour à la normale et se dire ça une fois, ça peut recommencer. Et c'est là où ça va être assez intéressant de voir si ça va changer ou pas. Si l'être humain est capable de se remettre un petit peu
sortir de la mer et pas y retourner constamment. Bon, voilà. Donc voilà les amis, petite balade en nature. Et puis voilà quoi. Et c'est toute une réflexion, hein. Même quand je me divertis, là-dedans ça tourne et ça n'arrête pas. Voilà mes amis, moi je vous dis à la prochaine. Soyez prévoyants, préparez-vous bien et rappelez-vous, dans la vie il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ciao.